Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau cours de gym bien-être. Aujourd'hui, au programme de l'équilibre, du renforcement musculaire et du stretching. Avant de commencer, prévoyez une bonne paire de baskets, peut-être les charges que vous allez utiliser ou pas, ou deux petites bouteilles d'eau, un tapis, une serviette et on est parti. Première étape, échauffons un tout petit peu nos articulations. Ouvrez un petit peu les jambes à l'écartement du bassin, déverrouillez au niveau des genoux, placez votre bassin correctement pour ne pas avoir mal au dos, allongez votre nuque et enchaînez. Ici, commencez avec les rotations d'épaule en arrière. Allez, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Relâchez bien vos bras. On en fait un dernier et on change de sens. Allez. Allez, le dernier ici, on va ouvrir la cage thoracique en amenant les omoplates vers l'arrière. Et à l'inspiration, on va monter les bras sur le côté et on va relâcher sur le côté. Allez, inspirez, expirez. Allez, on en fait un dernier entier avant de garder les bras vers le haut. Gardez les bras vers le haut, les omoplates toujours placées vers le bas avec la nuque longue. Et là, alternez le bras sur le côté. Allez, inspirez et soufflez. On en fait un dernier et on garde l'inclinaison sur le côté en allongeant le bras pour bien sentir l'étirement au niveau d'un côté. Et on enchaîne à nouveau l'alternance des bras, allonger ce bras au fur et à mesure, garder la colonne vertébrale bien allongée. Allez, encore un mouvement et le dernier, on va bloquer sur l'autre côté en allongeant votre bras gauche vers la droite pour bien sentir l'étirement sur l'autre côté et on revient. On ouvre les bras sur le côté, on abaisse bien les omoplates et ici on va fermer en rétroversion de bassin et en rentrant le ventre et inspirer, on va ouvrir la cage thoracique et essayer de garder le ventre serré pour ne pas cambrer. Attention de ne pas sortir ici, on va rester ici. Vous soufflez et vous inspirez. Allez, et je souffle. Et j'inspire, et soufflez, et inspirez. Abaissez bien vos omoplates, il en reste un, et on va rester en ouverture. Inspirez, ouvrez bien la cage thoracique, resserrez vos omoplates, gardez vos épaules basses, et on reprend l'alternance. Soufflez en dos rond, inspirez, ouvrez. Rythmez le mouvement avec votre respiration. On en fait un dernier entier. Et restez le dos rond. Allez, soufflez, rentrez votre ventre, rétroversez bien le bassin. Regardez votre nombril, ouvrez, redressez votre colonne vertébrale et relâchez les bras. Allez, petite flexion des jambes. Je glisse les mains sur les cuisses, direction les genoux. J'allonge mon dos, je garde le dos dans le prolongement. Toujours nuque et colonne vertébrale jusqu'au coccyx. On glisse les mains, on pousse les fesses en arrière. Allez, encore deux mouvements. Vous soufflez en haut, vous inspirez. Vous redescendez et là vous restez. Dessinez des cercles avec vos genoux. Gardez le dos long. Sentez les appuis au niveau de vos pieds. L'arête externe, les orteils, les talons et on change de sens. Bien, vous allez pouvoir arrêter le mouvement ici et vous redresser de la même façon. Allez, décollez un talon, écrasez l'orteil dans le sol et changez. Hop,
Et là, on va relâcher et on va se déplacer sur la droite et sur la gauche. Balancez vos bras. Même chose, on va ramener le talon devant. Levez bien la pointe de pied. Ok, et là on relâche. Allez, on rentre dans la première séquence, la partie équilibre. À nouveau, on va refermer nos pieds. On va ouvrir les pointes de pied et ouvrir les talons pour se positionner les pieds à l'écartement du bassin. On va plutôt rechercher les os du bassin. On va déverrouiller les genoux, donc lâcher de l'extension, vous relâchez légèrement, vous maintenez. On va bien placer ce bassin dans la rétroversion et dans l'antéversion. Je me positionne de profil, vous allez mettre une main sur le bas du ventre et une main à la naissance de vos reins. Vous allez allonger votre dos, regarder devant vous, vous allez inspirer d'abord. Et en soufflant, vous allez rétroverser le bassin vers l'avant. Vous allez remonter le pubis vers le haut. Inspirez. Au contraire, vous allez amener le pubis vers le bas et remonter les fesses vers le haut. Et on continue. Vous soufflez et vous inspirez. Et soufflez. Et inspirez. Allez, au rythme de votre respiration, balancez le bassin d'avant en arrière. En allant chercher les extrêmes et diminuer au fur et à mesure. Allez un petit peu moins loin sur l'avant, un petit peu moins loin sur l'arrière et peu à peu, en diminuant cette distance, retrouvez la position médiane de façon à ce que votre dos soit en position confortable. Bien. Dès que vous avez votre position, vous maintenez la position du bassin. Nous passons à la deuxième partie. Le centre de votre corps, donc l'engagement des muscles profonds. Vous inspirez. En soufflant, vous allez penser à la fermeture éclair que vous allez refermer du coccyx, donc du coccyx derrière, et que l'on va remonter jusqu'au nombril de façon à engager et le périnée et le transverse. Le transverse va s'engager en rapprochant le nombril de votre colonne vertébrale. Inspirez. En soufflant, serrez de l'arrière jusqu'à rapprocher le nombril de la colonne vertébrale et vous relâchez. Allez, inspirez, soufflez, refaites. Et continuez, encore. Une dernière, inspirez, lâchez tout. En soufflant, serrez anus, pupilles, nombril, serrez le tout, fermez cette fermeture éclair, gardez le ventre serré, l'engagement de votre centre, des muscles profonds. Inspirez. Sentez les côtes s'ouvrir et à l'expiration se refermer, c'est la respiration costale. Vous placez les mains sur les épaules, vous faites un petit cercle pour bien redescendre les omoplates vers les poches de pantalon et ouvrir cette cage thoracique sans aller dans l'extrême. Allongez un petit peu votre nuque et nous sommes prêts pour l'équilibre, pour le travail d'équilibre. Vous inspirez. En soufflant, vous soufflez par la bouche. Ouvrez cette bouche. À l'inspiration, montez les bras devant vous. Gardez les omoplates vers le bas. Et en soufflant, redescendez. Allez, inspirez. Et soufflez. Allez, encore deux mouvements. Inspirez. Et soufflez. Un dernier. Lorsque vous montez les bras, gardez toujours les omoplates vers le bas. Et soufflez. Gardez les bras vers le bas. Décollez maintenant les talons. En soufflant, soufflez, décollez les talons, inspirez, lâchez, soufflez, concentrez-vous sur le centre et redescendez en inspirant, soufflez, poussez-vous vers le haut et relâchez en lenteur, encore, soufflez et inspirez, amenons un travail au niveau des bras et au niveau de vos mollets. Allez, on remonte ici les bras en inspirant. En soufflant, on remonte les talons. On inspire, on redescend les bras. Et je souffle, je redescends les talons. On continue. Inspirez. Soufflez. Veillez à bien garder les omoplates vers le bas.
et continuez votre travail en rythme avec la respiration. Inspire, souffle, inspire et souffle. Encore, dernière fois, inspirez, soufflez, inspirez et soufflez. Bien, nous allons maintenant, regardez, je vais le faire une fois, vous allez inspirer, montez les bras devant, soufflez, vous décollerez les talons et vous allez ouvrir les bras ici en inspirant et vous allez ramener, ouvrir de l'autre côté, ramener et descendre le tout. On est parti ensemble? Allez, inspirez, montez les bras juste devant vos épaules, soufflez, décollez les talons, inspirez, ouvrez un bras, soufflez, ramenez, inspirez et soufflez, inspirez, relâchez et relâchez les bras et on repart, inspire, souffle, inspire et souffle, inspire et souffle, inspire et souffle et on repart, inspirez, soufflez, levez, inspirez et soufflez. Contrôlez votre centre. Allez, serrez tout. Le regard bien à l'horizontale. Et on repart. Dernière fois, on remonte les bras devant. On remonte sur ses demi-pointes. On serre bien le centre. On ouvre en inspirant. Et on ramène. Et on ouvre l'autre côté. Et on ramène. On abaisse les talons. Et on relâche. Bien. Bougez. Ok, on se repositionne, les talons que l'on ouvre, on déverrouille les genoux, on replace son bassin dans la position médiane, inspirez, soufflez, engagez le centre, fermez votre fermeture claire jusqu'au nombril. Ouvrez la cage thoracique, allongez la nuque, inspirez, soufflez, on prolonge le travail dans l'équilibre. Allez, inspirez. En soufflant, déportez le poids du corps sur la jambe droite. Inspirez, revenez. En soufflant, déportez le poids du corps sur la jambe gauche. Et revenez. Stabilisez, équilibrez bien le poids du corps sur les deux jambes. Recommencez sur la jambe droite. Inspirez, revenez au centre. Dernière fois, sur la jambe gauche. Et revenez. Allez, repartez sur la jambe droite. Et là, restez, poids du corps sur la jambe droite, je contrôle, j'engage mon centre, je maintiens mon équilibre sur la jambe droite et avec la pointe de pied, je vais ouvrir la pointe de pied pour aller toucher le sol sur le côté et ramener d'un appui léger. Gardez la concentration sur votre jambe droite, le corps bien long et c'est parti, jambe sur le côté. Allez, soufflez. Allez, encore 4 mouvements, 3, si vous êtes légèrement déséquilibré, n'hésitez pas à ramener les bras un petit peu sur le côté, 2 et 1, plus dur, on lève la jambe, vous contractez la cuisse, vous pointez le pied et vous inspirez, vous revenez, et 2 et 3, le corps toujours long, 4, 5, soufflez en remontant, 6, allongez votre corps, 7, et le 8e, vous allez rester, 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 encore 4, 3, 2, 1, et relâchez, bougez. Même travail de l'autre côté, on replace ses appuis, on ouvre, on déverrouille les genoux, on place son bassin et surtout, on n'oublie pas d'engager ses muscles profonds. Inspirez, soufflez, serrez. Pendant ce temps, ouvrez la cage thoracique et allongez la nuque. Inspirez, placez le poids du corps, cette fois-ci sur la jambe gauche, toujours le genou déverrouillé. Concentrez-vous sur votre position, le regard droit devant vous va vous aider à garder cette position d'équilibre et venez chercher le sol avec votre pointe sur le côté et ramenez d'un appui léger, c'est parti pour 8. Allez, soufflez.
Soufflez et inspirez, revenez. Encore deux mouvements. Le dernier, un peu plus dur. Levez en contactant la cuisse, pointez le pied. Ramenez, touchez ou pas le sol. Allez, c'est parti pour 8. Allez, il en reste 4. Attention, le dernier, nous allons garder cette position haute, cuisse contactée, pied pointé, allongement de la colonne vertébrale, engagement du centre en permanence, 2, 1, et vous relâchez, bougez. Voilà notre travail dans l'équilibre terminé, il est temps de passer au renforcement musculaire. Vous allez avoir besoin soit d'une paire de charges, soit de bouteilles d'eau si vous n'en avez pas, ou pas de matériel, à vous de choisir. Voilà. Alors, vous allez ouvrir un peu plus les jambes. Vous allez déverrouiller les genoux. Placez de toute façon votre bassin comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Inspirez, soufflez. Engagez les muscles profonds. En resserrant toujours de l'arrière vers l'avant, ouvrez au niveau des épaules et ici, pivotez les paumes de main, faites une rotation ici, voilà, des bras vers l'avant pour avoir les paumes de main vers l'avant. On va venir fléchir les bras, flexion de coude en amenant les paumes de main en direction de vos épaules. Les coudes vont rester vers le bas, je me positionne de profil, c'est parti pour 10 mouvements. Allez, soufflez. Et je souffle et j'inspire. Souffle, inspire. Allez, 4. 5. On va travailler sur les bras, partie biceps. 6. 7. 8. Relâchez en lenteur. 9. Et 10. On va s'arrêter en angle droit. On va positionner les paumes de main en marteau. Donc, on a les paumes de main face à face. Et ici, conservez l'angle au niveau de vos bras et avant-bras. Levez lentement vos bras sur le côté, maximum les épaules, sans soulever ici les épaules. On garde les omoplates vers le bas et on redescend lentement en veillant de bien conserver l'angle au niveau des bras. C'est parti pour 10. Et 1. Soufflez en montant. 2. 3. 4. 5. 6, allez, il en reste 4, on ne lâche rien, 3, 2, et le dernier, je reviens ici, je ne lâche pas. Très bien, on va relâcher les bras vers le bas, je vais plier à moitié, revenir sur le deuxième mouvement, revenir et relâcher, c'est parti pour 10, soufflez, inspirez lorsque vous redescendez, allez, deuxième. Soufflez, troisième, quatrième, cinquième, gardez la nuque longue, sixième, allez, demi-flexion, je relève mes bras sur le côté, bras fléchis, allez, plus que deux. On en fait un dernier, inspirez, soufflez et là, relâchez complètement, soulagez. Bougez un tout petit peu, bougez vos bras. On va attaquer le deuxième travail. On va retrouver ce travail des épaules et on va rajouter un travail de triceps. Replacez vos jambes parallèles. Inspirez en soufflant, remontez vos bras et placez cette fois-ci les paumes de main vers l'avant. Ouvrez vos coudes, placez vos coudes à la hauteur de votre poitrine et là vous allez allonger les bras vers le haut sans remonter les épaules. Gardez toujours les omoplates vers le bas, vous montez ce que vous pouvez et vous redescendez lentement sans descendre plus bas que la poitrine. Inspirez, soufflez, c'est parti pour 10. Allez, soufflez. Whew.
Il en reste 5. 5. 4. Descendez en lenteur. 3. Soufflez. 2. Et 1. Bien. Vous tendez à nouveau les bras. Vous relâchez un bras qui va maintenir ici au niveau de votre bras. Et là, vous faites la flexion d'un bras. Vous amenez la charge ou le poing au niveau de votre nuque. Et là, vous développez le bras tout simplement pour le tendre. Et là, on va attaquer les triceps. Inspirez en soufflant. C'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Ne bougez pas la partie épaule-coude. C'est la partie fixe. 5. Encore 5. Si vous êtes à l'aise, enlevez l'autre bras. Allez, encore 4. 3. 2. Et 1. C'est terminé. Remontez l'autre bras. Poussez le bras vers le haut. Pliez le bras vers l'arrière. Maintenez ici votre bras et commencez le travail. Soufflez. 1. 2. Allez. 3. 4. Fixez bien épaule-coude. 5. Il y a 5 mouvements. 6. 7. Évitez de bloquer l'articulation. Encore 3. Plus que 2. Et le dernier. Relâchez. Soufflez. Bougez. Allez. Pour le prochain exercice, nous passons au sol. Gardez les charges, nous allons en avoir besoin. Placez-vous sur le bout de votre tapis. Placez les jambes à l'écartement du bassin, les pieds à plat, un petit peu en avant de vos genoux. Accrochez ici vos genoux et montez votre dos. Inspirez. En soufflant, rétroversez, inspirez, soufflez. Engagez les muscles profonds, déjà. Ouvrez la cage thoracique, allongez votre nuque, regardez droit devant vous. Inspirez en soufflant, serrez, 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 serrez le ventre en direction de la colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez. Et en soufflant, allez, rétroversez le bassin et déroulez la colonne vertébrale jusqu'au sol. Sentez chaque vertèbre se déposer dans le sol. Déposez vos omoplates ainsi que votre tête. Ramenez un petit peu vos pointes de pied. Si vous avez la nuque, si vous avez la nuque avec un gros creux, si vous avez le menton trop vers le haut, pensez à mettre quelque chose sous la tête de façon à avoir la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Sinon, gardez la nuque bien longue. Sentez vos omoplates bien fixes dans le sol. Très bien. Inspirez en soufflant, écrasez les lombaires dans le sol pour redonner de la longueur à votre colonne vertébrale et relâchez légèrement pour avoir un creux juste naturel. Reprenez vos charges ou pas et relevez les bras tout de suite au-dessus de vos épaules. Les paumes de main se regardent, sont face à face ou les poings si vous n'avez rien, si vous n'avez rien dans les mains, vous serrez les poings et vous avez ici les poings face à face. Omoplate bien placée dans le sol. Vous allez garder la partie fixe entre les coudes et épaules. Vous allez amener une flexion de bras et vous allez tendre en soufflant sans bloquer l'articulation. On est parti pour 10. Inspirez, gardez la nuque longue, le centre engagé. C'est parti. Inspirez et soufflez. Allez, inspirez et soufflez. Descendez en lenteur, soufflez en remontant. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On garde ici les bras tendus vers le haut. On tourne les paumes de main vers l'avant. Et là, on va descendre les bras sur le côté. Faites un bel angle droit avec l'avant-bras et le bras, placez les coudes dans le prolongement de l'épaule ou légèrement plus bas entre la poitrine et les épaules et allongez les bras en tendant les bras au-dessus de la poitrine en soufflant. C'est parti pour 10, allez.
Allez, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et le dernier 10, vous restez là. Vous retournez à nouveau les charges, paume de main vers paume de main, et vous reprenez le premier mouvement. C'est parti pour 10. Inspirez, essoufflez. Allez, vos coudes sont bien au-dessus de vos épaules. Flexion dans l'inspiration, l'expire, vous tendez. Extension de coude. Allez, 5. 4. 3. 2. Et le dernier, vous relâchez les charges au sol ou les bras que vous bougez un petit peu. Vous les remontez pour la dernière fois. Vous placez à nouveau les paumes de main vers l'avant. Et ici, petit croisé que l'on va faire 30 fois. Inspirez, soufflez, c'est parti, rapide. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. C'est terminé. Ouvrez les bras. Inspirez, soufflez. Allez, je relâche tout. J'inspire. Il est temps de se redresser et de retrouver la position assise. Roulez sur le côté et venez vous installer au bord de votre tapis. Les charges, nous n'en avons plus. On n'en a plus besoin. Vous placez ça, tout ça sur le côté et repassez-vous dans la première position. Celle où on a abordé le travail au sol. Les pieds à plat, un petit peu en avant de vos genoux. Les genoux et les pieds à l'écartement du bassin. Venez saisir vos genoux. Inspirez, montez votre dos. En soufflant, engagez les muscles profonds, serrez, anus, pupilles, le périnée est engagé, je serre le nombril vers la colonne vertébrale pour engager aussi mon transverse, je garde la contraction des muscles profonds, ouverture de la cage thoracique, abaissement des omoplates, nuque longue, inspirez, soufflez, rétroversez comme tout à l'heure, le dos va s'arrondir, inspirez et redressez. Allez, on le fait encore une fois. Allez, soufflez. Et inspirez, redressez. Un peu plus difficile, on va rajouter les bras ici devant vous. Abaissez toujours vos omoplates et faites le même travail. Inspirez par le nez. Soufflez, rétroversez. Et inspirez, remontez. Soufflez. Et inspirez. Encore, soufflez. Et inspirez. Soufflez. Et inspirez. Allez, le prochain, on souffle. On reste ici, on inspire. Un peu plus dur. Je serre le nombril un peu plus. Je monte le dos rond et je redresse en inspirant. Allez, deux respirations. Souffle. Souffle, serre le nombril. Inspire, stabilise la position. Souffle, serre. Remonte, inspire. Allez, troisième, soufflez, rétroversez le bassin, inspirez, maintenez la position en contraction, soufflez, serrez fortement le nombril pour vous redresser et inspirez. Allez, soufflez, inspirez, soufflez, remontez, inspirez, redressez et le dernier, soufflez. Inspirez, essoufflez, remontez et inspirez, redressez. Bien, on va repartir et en rajouter un travail au niveau des obliques. Regardez d'abord, même positionnement au niveau du corps. En soufflant, je vais rétroverser le bassin pour partir en arrière. Toujours les épaules bien ouvertes. Je vais ramener mes bras ici. Vous allez inspirer ici, souffler, inspirer. Soufflez, inspirez dans la rotation. Et ici, vous allez remonter votre corps sur l'inspiration. Et on repartira pour enchaîner comme ceci.
10 mouvements. Allez, c'est parti. Descendez vos omoplates. Inspirez, soufflez. Engagez vos muscles profonds. Allongez votre nuque. C'est parti. Inspirez par le nez. Soufflez. Rétroversez le bassin. Ne descendez pas trop bas. Ici, inspirez. Rotation d'un côté. Soufflez, venez. Inspirez de l'autre côté. Soufflez, revenez. Tendez les bras et remontez en inspirant. Et on repart. Souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, redresse. Allez, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, redressez. Allez, quatrième mouvement. Souffle, rétroverse, rotation sur un côté, revenez au centre. Rotation sur l'autre côté, revenez au centre, tendez les bras, serrez le nombril pour pouvoir remonter. Et on recommence. Cinquième, soufflez. Inspirez dans la rotation, soufflez au retour. Inspirez, soufflez, tendez et revenez en inspirez. En inspiration. Et on repart. Soufflez. Inspirez. Allez, encore trois mouvements pour terminer. Soufflez. Plus que deux. Le dernier. Voilà, et relâchez votre dos. Vous pouvez allonger les jambes, soufflez bien. Allez, après avoir abordé le travail des abdominaux et nos obliques dans la rotation, il est temps de continuer en position allongée. Retrouvons le travail des transverses et des obliques à nouveau. Repositionnez vos jambes fléchies. Écartement, pieds et genoux à l'écartement du bassin. Tirez avec un appui votre dos vers le haut. Inspirez en soufflant. Serrez, engagez les muscles profonds. Ouvrez la cage thoracique. Et là, portez vos bras devant et en soufflant, déroulez lentement la colonne vertébrale jusqu'au sol. Sentez la partie lombaire se déposer au sol, les vertèbres une à une. Voilà. Amenez vos bras en direction de vos joues. Fixez bien les omoplates au sol et ouvrez les bras que vous allez positionner le long de votre corps. Rapprochez un petit peu vos pieds, pieds à plat. En soufflant, rétroversez le bassin pour écraser les lombaires dans le sol et lâchez légèrement. Vous devez sentir l'appui de votre sacrum et l'appui au niveau des dorsaux. Épaules basses. Donc tirez les doigts en direction de vos chevilles, allongez la nuque ou sinon prévoyez de mettre un coussin sous la tête si vous avez le menton trop élevé. Voilà. Nous sommes positionnés pour ce travail du transverse. Inspirez. En soufflant, serrez bien nombril proche de la colonne vertébrale et relevez jambe droite en chaise renversée. Le genou vient se caler au-dessus de la hanche, le mollet parallèle au sol et le pied pointé. Inspirez en soufflant, relevez le deuxième. Tout en lenteur. Voilà, inspirez, positionnez cette position-là durant 3 respirations. Ça ne doit pas modifier votre dos. Essayez de ne pas écraser les lombaires dans le sol, de garder le ventre plutôt serré, de ne pas crisper au niveau des cervicales. Allez, encore une fois. À la prochaine expiration, vous allez maintenant tendre la jambe droite jusqu'à contracter la cuisse, contracter, pointer le pied et rester. Allez, 10 secondes. 2, 3, 4. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à remonter. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous revenez en inspirant. Vous soufflez, vous tendez l'autre jambe. Et c'est parti pour 10 secondes. Allez, 1, 2, serrez bien le ventre, 3, 4, sentez l'engagement, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Et vous ramenez lentement la jambe, attrapez vos genoux, dessinez des cercles. Quelques cercles sur un côté, puis quelques cercles dans l'autre sens. Ok, on repositionne les jambes de la même façon, on relâche les bras le long du sol et on reprend le même travail en faisant 20 secondes. Inspirez, engagez le centre, dos en neutre, soufflez, allongez l'une des jambes, inspirez, soufflez, restez 20 secondes. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, c'est trop dur, n'hésitez pas à relever. Allez, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, serrez, 2, 1, et ramenez. Inspirez, essoufflez, changez de jambe. Contactez la cuisse, pointez le pied, c'est parti pour 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et ramenez. Tirez les genoux un petit peu vers la poitrine et dessinez à nouveau des petits cercles dans un sens et dans un autre. Avant d'aborder le dernier exercice de renforcement musculaire. Allez, bougez un petit peu vos genoux, petit balancé droite-gauche, qui vont faire du bien au dos. Bien. Gardez les genoux serrés, ramenez les genoux au-dessus du nombril et ouvrez vos bras sur le côté. Inspirez. Et en soufflant, descendez lentement les genoux vers le sol, vers la droite, sans décoller l'épaule opposée, et remonter en inspirant. Et on va alterner ce travail en descendant une fois à droite, une fois à gauche, que l'on va faire 10 fois. Vous êtes prêts? Serrez le tout, engagez le centre, inspirez, c'est parti, soufflez, descendez. Et inspirez, remontez. Veillez à bien garder les épaules ancrées dans le sol. Allez, soufflez. Et inspirez. Deuxième mouvement alterné, souffle, inspire, souffle, inspire, troisième, quatrième, soufflez lors de la descente, inspirez en remontant, soufflez, serrez le nombril fortement et remontez. Allez, cinquième, souffle. Sixième. Allez, plus que quatre mouvements, soufflez. Allez, le travail en lenteur est bénéfique au travail des muscles profonds qui sont qui travaille en permanence ici et vous avez un travail dynamique au niveau des obliques, ce sont les deux dernières répétitions. Allez, soufflez. Et dernier mouvement alterné. Et voilà. La partie renforcement musculaire est terminée. Vous relâchez un tout petit peu en tirant les genoux vers la poitrine. Et on aborde cette dernière partie, l'étirement. Gardez vos mains sur les genoux. Tirez les genoux vers les épaules de façon à décoller le bas du dos. Gardez la nuque longue. Inspirez, soufflez. Inspirez par le nez. Et soufflez. Ok,
Ok, vous allez relâcher légèrement les jambes. Vous allez serrer les genoux comme l'on a fait et on va ramener les genoux juste au-dessus des hanches. Les mollets toujours parallèles au sol, vous allez ouvrir les bras, inspirer, paume de main direction le haut et en soufflant lentement, vous allez descendre les genoux au sol en veillant de ne pas décoller l'épaule opposée. C'est trop difficile, n'hésitez pas à redescendre les genoux un peu plus bas. Inspirez, soufflez. Et maintenant, tournez la tête à l'opposé de vos genoux. Regardez le bout de vos doigts. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ramenez lentement la tête, ramenez le bras du même côté, fléchissez le bras du sol, allongez votre dos pour être positionné sur la partie latérale. Gardez jambes en angle droit, attrapez pied supérieur et maintenant ramenez la cuisse dans le prolongement de votre colonne vertébrale et rapprochez le talon de la fesse pour étirer vos quadriceps. Inspirez, soufflez. Relâchez votre jambe, remontez le genou, direction la poitrine et relâchez, soufflez. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. Allez, replacez-vous sur le dos. Remontez vos genoux en angle droit, serrez bien les jambes. Gardez les bras ouverts, les omoplates dans le sol. Inspirez, soufflez. Allez. Lentement, descendez vos genoux direction le sol. À l'approche, déchargez complètement genoux et pieds. Gardez bien les omoplates et l'épaule opposée au sol. Inspirez, soufflez et tournez la tête à l'opposé de vos genoux. C'est difficile, n'hésitez pas à descendre un peu plus les genoux. Ramenez la tête, ramenez le bras du même côté que les genoux. Fléchissez le bras du sol. Gardez les genoux en angle droit. Attrapez la cheville ou le pied de la jambe supérieure. Et lentement, ramenez la cuisse dans le prolongement de votre corps. Poussez un petit peu le bassin vers l'avant s'il faut. Et rapprochez lentement le talon de votre fesse. Étirement de la deuxième cuisse. Soufflez. Gardez le ventre serré pour ne pas accentuer cette cambrure lombaire. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Relâchez lentement et venez relâcher votre jambe, votre genou au sol. Ok, on ramène les deux genoux vers la poitrine. Il est temps de remonter. Allez, on passe position quatre pattes. Encore pour le dos ici. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspirez, laissez le dos se creuser légèrement en sortant fesses et tête. Et en soufflant, rétroversez le bassin qui va arrondir tout votre dos jusqu'à la tête, le regard vers le nombril. Et on recommence. Inspirez. Antéversez votre dos légèrement et en soufflant, rétroversez. Relâchez bien votre tête et restez. Inspirez, revenez dans la position initiale. Allez, allongez une jambe. Crochetez les orteils dans le sol et maintenant descendez la pointe de pied, le talon en direction du sol. Sentez dans votre mollet.
Relâchez, changez de jambe. Allongez la jambe. Et lentement, allez, descendez le talon en direction du sol. Conservez les jambes à l'écartement de votre bassin. Inspirez, soufflez. Repoussez toujours votre corps vers le haut. Appuyez vos mains dans le sol. Paume de main sous les épaules. Et relâchez. Venez installer vos fessiers sur vos talons. Allongez vos bras loin en avant. Éloignez vos points de doigts de vos fessiers. Glissez la tête entre vos bras sans poser le front au sol. Amenez les omoplates en direction de vos fessiers. Relâchez les bras, posez le front au sol et relâchez les bras vers l'arrière, soufflez. Relâchez tout votre corps. Ramenez les mains proches des genoux, déroulez lentement la colonne vertébrale. Bien, placez une jambe devant, faites un grand pas en avant, le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied, crochetez l'orteil en arrière, placez les deux mains sur la cuisse ou prenez un appui si vous voulez, regardez vers la diagonale haute, appuyez sur le talon, sur les mains et remontez. Voilà. Allez, on ouvre les jambes, on remonte les bras en inspirant et en soufflant, on relâche. Inspirez, soufflez, inspirez et ouvrez les bras lentement sur les côtés. Allez, relâchez les bras, relâchez les jambes. Je suis sûre que vous avez bien travaillé chez vous. Je vous dis à très vite, restez motivés pour rester en forme.